contrarie notre soirée. Je trouve que c'était un match extrêmement serré. Sincèrement, ça, bravo à eux, ça bascule de leur côté, mais je trouve que ça n'a pas été loin de basculer de notre côté aussi. On a eu des occasions, notamment un partout, mais on n'était pas loin de faire basculer les choses en notre faveur. Je pense qu'on avait les possibilités de le faire, mais on a manqué d'efficacité, on a manqué les quelques situations qui auraient pu nous permettre de prendre l'avantage à un partout et même de revenir au score à 2-2. Vous avez peut-être oui, peut-être plus d'occasions que Clermont. Oui, je pense, oui. Je pense qu'on a plus d'occasions franches avec des occasions assez nettes en deuxième mi-temps. On a rendu le match un peu plus fou en deuxième mi-temps aussi, en mettant beaucoup d'intensité avec des changements, des attitudes plus libérées. Mais bon, on n'a pas les points qu'on aurait pu avoir. Ouais, parce que c'est Clermont Foot qui fait. On est oui. Mais c'est Clermont Foot qui fait une bonne opération. Oui, je sais. Ça me rend malheureux parce que je sens que les deux équipes étaient proches l'une de l'autre et que, honnêtement, on pouvait se dire que ça pouvait basculer de notre côté aussi. Merci. Précision, Garvidge qui réplique à Kadewaré et puis la frappe de Thierry qui passe juste à côté. Là. Oui, et puis il y a eu deux ou trois occasions aussi. Il y a Zabana quand il est rentré qui a un tête-à-tête avec le gardien. Il y a la tête de Thierry. Il y a quelques occasions assez franches qui auraient pu nous permettre de revenir au score. On a vraiment les possibilités ce soir de faire match nul. Comment va Thierry justement parce que le choc est sévère. Bah, il va pas bien. Ouais. C'est le coup de pied et je crains que ce soit très embêtant. Ouais. Et il y a coup franc pour Clermont. Je vais revoir l'action, mais il y avait coup franc pour Clermont. Prends le ballon. On n'a pas de replay. Il prend d'abord le ballon, après il prend la cheville. Enfin, après il y a choc cheville contre cheville. Quoi. C'est un peu. Mais bon, il. Cheville contre cheville. Ouais, ouais. Je vais revoir quand même. Ok. Vous n'arrivez pas à partir de un pied avec bonne soirée. Merci. Bravo, monsieur. C'est la deuxième victoire de suite ici au Montpied. Oui. T'es heureux ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Content d'avoir gagné parce que je pense qu'on a joué une grosse équipe et on est allé chercher assez loin là, cette victoire. Pas de match, on t'a vu particulièrement stressé. Oui. Oui, parce que on savait que le match pouvait basculer à n'importe quel moment avec la qualité de leur jeu et la qualité des joueurs qu'il y avait en face. On sentait qu'à tout moment, ils pouvaient être dangereux. Mais on a une fin de match un petit peu laborieuse, ce qui est logique et légitime. À partir du moment où on a mené, on ne voulait pas se faire prendre évidemment en contre, donc on a reculé un petit peu. J'aurais voulu qu'on ressorte un peu mieux certains ballons. Mais voilà. Je ne vais pas du tout faire la fine bouche, je pense que c'est une belle victoire. Quand tu dis qu'on est allé la chercher, mentalement cette victoire elle peut être importante pour l'équipe. Oui, oui. Des ressources. Après, sur les matchs à l'extérieur que l'on a gagnés, je pense qu'on a eu aussi des ressources quand on a mené. Mais on n'avait pas complètement montré à domicile, je pense. Alors après, il ne faut pas. Faire attention aussi à ce qu'on dit parce que je pense qu'on aurait dû gagner des matchs à domicile qu'on n'a pas fait. Je pense qu'on aurait mérité mieux. Mais bon, face à une équipe comme ça du top 5, je pense que c'est vraiment une belle victoire. C'est une belle victoire. Voilà. Il n'y a pas que on s'est accroché dans les 15 dernières minutes. Je pense qu'on a fait une première mi-temps intéressante au niveau du jeu. Oui, bien sûr. On a battu 3 chez eux. On a fait match nul contre Lens. Là, on bat l'Orve. Donc, c'est bien. Je pense qu'on est capable de mettre en difficulté toutes les équipes. Mais je sais aussi pertinemment, et on sait tous, que toutes les équipes sont capables de nous mettre en difficulté. C'est aussi la Ligue 2. Il n'y a pas de marge. Il n'y a pas d'équipe, j'allais dire, comme le PSG qui sont capables de dominer un match de bout en bout. Donc tout est possible. C'est ce qui fait aussi la beauté de notre championnat.
Il s'était fait mal au match contre Andrézieux, au dernier match, et est-ce que sa côte a bougé? Il a eu mal à une côte flottante et ça a dû bouger un petit peu, c'est pour ça qu'il pouvait pas continuer. Je pense pas que ce soit dans un choc, je pense que c'est sur une torsion. Non, je pense que ça devrait aller, je pense que ça va aller. Ndiaye. Non, je pense que ça n'était pas prévu. Je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais je pense pas que c'était pour. Il n'était pas dans le groupe. Ouais. C'est un choix. Non, il est blessé. Ah oui, il est blessé. Mmh. On a pas. C'est vrai, j'ai complètement oublié. On est entre nous. non, j'ai oublié. J'ai oublié de vous dire. Non, il est out jusqu'à la fin de l'année. Voilà, c'est pas grave, mais il va reprendre normalement en début d'année prochaine, à la reprise. C'est une bonne question. Je crois que c'est les ischio, mais je suis plus sûr, je me rappelle plus. Il s'était blessé à Grenoble quand il est sorti. Bon, ouais. Au global, l'année n'est pas finie, mais non. C'est une bonne opération ce soir. Vous passez devant le Havre, ouais. Qui fait mieux, le 5e. C'est bien, je pense pour une équipe comme nous, oui, c'est bien. Puis ça va mettre du piment. Là. On a un petit bout de temps, j'espère le plus longtemps possible, mais voilà, je pense qu'on mérite ce que l'on a aussi. Je pense que ça aurait pu être mieux sur les matchs à domicile, à l'extérieur, on fait un parcours excellent. Donc pour le moment, je pense qu'on suit notre petit bonhomme de chemin. Je pense qu'on progresse, je pense, quasiment à chaque match dans certains domaines. Marque des buts. On a eu du mal à marquer des buts jusqu'à maintenant à domicile, on en a marqué deux, donc c'est de bon augure. Après, il faut aussi retomber sur terre. On a gagné un match, on va aller à Caen contre une autre grosse équipe et un prétendant, je pense, aux 5 premières places. Donc on va voir si on est capable de s'inscrire sur la durée. On va voir Caen, après on va recevoir 3, on va aller à Lens à suivre. Donc on y verra certainement plus clair fin janvier. Merci. Merci à vous. Merci.